Salut tout le monde, alors une nouvelle petite série d'ouverture, ça fait plaisir. Sûrement intitulée Retour de Brocante, parce que comme on le sait, bah c'est là que j'achète le plus de cartes. Donc le week-end du 10 mars, une petite brocante sympathique. Donc moi, je me suis fait plaisir. Donc j'ai acheté en premier ce petit classeur, on passe vite fait dessus, voilà. Donc avec un magnifique Pluton Cafer. Et derrière, si je ne me trompe pas, c'est Zoroa, voilà. Donc voilà, le premier petit classeur qui fait plaisir, donc il n'y a rien dedans, hein. C'est dommage, mais bon. Au moins, il était beau. Donc voilà, c'est juste pour montrer. Ensuite, évidemment, j'ai acheté deux boosters Soleil et Lune Ultra Prism. Donc je pense... on va pas se mentir, mais il y a de grandes chances que ça a été ouvert et refermé après. Enfin voilà, ça on le verra bien. Et enfin ça c'est deux lots que moi j'ai choisi, donc je vais vous montrer ça. Donc ces cartes là je sais ce qu'il y a dedans. Donc voilà, nous avons une Roserad, ensuite une cape géante, un Doduo, un Fantominus, un Poissirène, un Chinchidou, un Tétard, Vaillance de Pierre, Chaglam, Foulard de Sauvetage, Donphan, Polarune et un petit Flagados pour Rioset. Voilà. Donc je te spoil un peu tes cadeaux, mais bon, j'en ai d'autres en plus hein, que je te montrerai, que tu verras plus tard. Celui-là il est pour toi et un Viridium, donc une carte que je cherchais, que j'avais pas du tout. Donc au moins j'en ai une maintenant. Voilà. Donc ça c'est juste les petits paquets que j'ai pris au choix, donc ça c'est généralement c'est 10 centimes l'unité. Donc Préelf, Créfadet, Carmache, un Magirève, un gros tas de morts, Métang, Roserad encore, Vortante, Carmache, Electsprint, Lantern, Énergie spéciale, Énergie Flash, Brut, Tapod, Corbos, Octiri, Masco, Incisiache et Scalproa. Donc voilà, juste là, je pense que ça, c'est les plus belles cartes que j'ai achetées. Hein. Après, je sais pas du tout ce qu'il y a là-dedans parce que j'ai acheté les lots entiers. J'ai juste regardé si c'était pas des fausses ou des étrangères. En majorité, c'est du français. Donc il y aura plusieurs parties. Donc là je vous ai montré les deux paquets que j'avais achetés. On ouvre ces deux boosters et après sûrement un parti par gros paquet. Ok. Donc c'est parti. On commence par qui? Comment il s'appelle lui? Je sais même plus. Bien, on va commencer par lui. Ça va me revenir peut-être. Donc comme d'habitude, je galère à l'ouvrir. Bon, alors, est-ce que ça a l'air bizarre? Je ne sais pas. Il y a le code déjà. Donc, si ça marche pas, je ne sais pas. Hop. Alors, donc la série Ultra Prism que je commence, je dois avoir 2-3 cartes seulement. Alors, nous avons un petit Cricnote, putain, Archéomir, Cradopo, Magnéti, il est tout content, Moustéboué, Énergie Psy, Fossile Inconnu, Dinoclier, Luxio et Drascor en reverse et enfin Karchakrok. Donc visiblement ça va, on a la rare, on a la reverse, en plus on a, j'ai même pas fait gaffe mais c'est bien deux rares.
Donc franchement, une bonne affaire. Si après ils ont peut-être pris les ultras, on va pas se mentir. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai des doutes, parce que les boosters étaient un peu collés les uns aux autres. Il y avait une grosse boîte pleine de boosters en fait, et ils étaient un peu collés. Et même là, là par exemple, vous voyez ici, il y a plein de défauts. Et j'avais soupçonné de la super glue. Voilà. Mais bon, tout ce qui est scellé en brocante, faut un peu se méfier. Mais bon, j'ai pris le risque et visiblement, pour l'instant, ça va. Oups, bon, on a vu les jolis. Hop, j'en garde un quand même. Un, deux, trois. Je suis fatigué, je sors de cours et je fais cette vidéo. Donc voilà, le petit évolu que nous avions vu. Un Farfuret, un Vortank. Oh, le petit Laporeil, ça c'est pour ma copine. Elle les attendait, celle-là, quand je lui ai dit qu'ils avaient ressorti les Laporeil. Elle va être contente. Un Quatermac, énergie métal, fan club Pokémon, Primplouf. Oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas vu de Primplouf. Sifflet de Bellantonis. Ouh, le Lunala Prisme là. Oh putain. Alors là, je suis sur le cul vraiment. Donc putain, elle est magnifique. Bon, on va terminer ça sur Élecable en rare. Alors là, vraiment les gens, je sais pas si mes doutes sont fondés, parce que vraiment les boosters ils sont super bizarres. Hein. Même à l'ouverture elle est très bizarre, on dirait que ça s'ouvre, ça force un peu, mais une fois que c'est ouvert ça se décolle tout seul. Et y a vraiment, on dirait qu'il y a vraiment des traces de colle hein, sur les boosters, donc je sais pas du tout. Mais là elle est magnifique cette carte. Oh, voilà, je suis trop content. Voilà, voilà. Donc là, les amis, vraiment, il y a beaucoup de cartes encore une fois. Ça va être long. Le petit Laporeil, donc ça, c'est pour ma copine. Et, oh, voilà. Le Flagados, il n'est pas là. Mais bon, on a vraiment donc 4 rares, je crois, en tout. C'est vraiment une bonne, très très bonne ouverture. Voilà. Hop. Et voilà, là nous avons ces 4 cartes. Donc vraiment une très bonne ouverture. Je suis vraiment content. J'espère qu'il y aura peut-être du lourd dans ça, mais j'ai des doutes. Bon alors, la prochaine fois du coup, on fait l'un des 3 paquets. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour plus de vidéos. Salut les gens !